Salut à tous, c'est Alain, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais regarder vos solos. Oui, je vous avais lancé un sort, enfin, c'est pas un défi, mais une sorte de truc à faire, voilà, parce que j'avais fait une petite partie, voilà, sur un morceau qui s'appelait KO. Et j'aurais aimé, voilà, faire un solo. Malheureusement, je ne suis pas un mec qui fait beaucoup de solos, voilà, je suis beaucoup dans la rythmique. Donc je vous ai demandé directement à vous de me faire des solos. Donc là, je les ai reçus, voilà, donc la deadline a été finie. Donc ça a été fini, donc j'ai reçu 8 participants. Donc bon, c'est pas dingue, c'est la première fois, en tout cas, mais on va recommencer ce petit truc, ça va être plutôt sympa avec autre chose. Je vous ferai carrément une prod. Et puis vous pourrez me faire quelque chose dessus, un truc vraiment plus simple. Je vois pourquoi j'ai pas eu beaucoup de participants non plus, c'est tout simplement que les gens pensaient qu'ils avaient pas le niveau. Je sais qu'il y a eu un débutant dans les vidéos, j'ai pas regardé pour l'instant, mais je sais qu'il y avait eu un débutant, et donc ça me dérangerait pas. C'est parti, je vais regarder vos vidéos. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des personnes que vous allez voir, ils m'ont tous communiqué en message qu'ils ont une chaîne YouTube, etc. Donc je vous mets toutes les chaînes YouTube en description de ces personnes, parce que franchement, il y a certaines chaînes YouTube vraiment qui valent vraiment vraiment le coup, et dont je suis abonné même d'ailleurs, et ça me fait vraiment particulièrement plaisir de vous les partager. Allez, c'est parti, on va regarder la toute première vidéo. Let's go. Donc juste avant de commencer la vidéo, si vous entendez un petit peu... C'est pas moi qui largue des caisses, hein. C'est tout simplement que mon fauteuil fait énormément de bruit. Donc c'est parti, allez, je vais regarder la toute première vidéo. On commence avec All Seven. Donc c'est parti, qu'est-ce qui nous a fait le petit All Seven? Solo pour le morceau KO d'Alain Mazzola. Bon, vraiment excellent, franchement, j'ai plutôt bien kiffé. En plus, je vois que t'as une Ibanez, c'est la RG7, il me semble. C'est une guitare que je possède aussi également. T'as monté des gros OMG, alors je te poserai peut-être une question pour ça par rapport aux OMG. Il va m'en falloir, parce qu'il va falloir que je change les micros de cette gratte. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien kiffé, et t'as un super fond derrière, franchement, avec d'autres guitares et tout. C'est super cool, merci d'avoir participé. J'ai trouvé ça excellent. On va passer au suivant avec Cédric Fournier, qui possède une chaîne YouTube aussi, hein, de Hypno Studio. Pas mal, le fond et tout, c'est vraiment bien. Oh là 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 là. Vraiment, vraiment, vraiment excellent, mec. Vraiment, c'est top. J'ai kiffé déjà l'ambiance que t'as donnée à ta vidéo. Elle est superbe. C'est vraiment dans un style... tout ce qui correspond, justement, ça correspond énormément bien au style gothique, métal et tout. Ça reste vraiment, mais grave dans l'ambiance. Là, tu m'as fait kiffer, mec. C'est vraiment excellent. Petit épiphone. Ah, une petite harmonique. Oh.
Ah punaise, là c'est vachement bien. Putain, on est pas mal, on est sur des grosses descentes de gamme et tout. Pouah, c'est vraiment bien avec les petits solos, l'harmonique qui vient taper. Pouah, juste excellent. Franchement, là vous me régalez, hein. Pour les trois premiers, c'est juste top, top, top. Franchement, là je suis en kiff. Donc maintenant, on va passer à la chaîne Easy Guitar Now, donc une chaîne YouTube qui fait tout ce qui est tuto aussi, qui explique beaucoup de choses sur la guitare. Vraiment, c'est très 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 intéressant. Alors, il a un style assez particulier et ça, c'est très très bien. Il a reproduit, je crois, dans sa vidéo. J'ai pas encore bien regardé. Bon, allez, je vais vous dire, je me suis spoil sur YouTube, mais je crois que ça doit être la même vidéo qu'il m'a envoyé. Donc, c'est parti, je regarde tout de suite. Donc, c'est la chaîne de Bad, hein, Easy Guitar Now. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal aussi. Il a fait plusieurs gammes, franchement, qu'il avait travaillé. On voit que c'est travaillé, franchement. Il a passé du temps. Et ce que je kiffe vraiment dans ce genre de vidéo, c'est qu'il a un humour assez particulier à lui-même. Et c'est propre à lui, en fait. Et franchement, ça, c'est excellent avec toutes les petites animations, etc. On reconnaît un petit peu de l'oriental dans son jeu. Et ça, c'est plutôt vraiment très intéressant parce que passer de... dans ce qui est métal gothique, etc., on voit qu'il a un développement, on va dire, il a essayé de faire un jeu un petit peu oriental, et ça, c'est vraiment plutôt, vraiment très très intéressant, et pas facile surtout à intégrer. Donc franchement, je t'applaudis pour ce travail, je suis très très content que tu aies participé à cette vidéo, et merci à toi en tout cas. On va passer à Philippe. Bien. Là, franchement, pas mal, c'est super propre, c'est juste excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. Là c'est tout propre, tout carré, nickel mec, franchement impeccable. On va passer à Prod Mushroom. Excellent, excellent. Mais les gars, vous jouez tous avec des Les Paul, c'est un truc de ouf. Mais franchement, putain, énorme. Eh les gars, vous me faites vibrer, hein. Franchement, c'est... Il y a du niveau, là. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal, hein. Là, c'est... Ouh. Ah, excellent, excellent, les gars. Franchement, nickel. On va passer au suivant avec Studio Brian. D'ailleurs, c'est un des tout premiers qui m'a envoyé la vidéo. Let's go.
Pareil, Les Paul aussi. C'est pas mal, il y a un bon début. Alors je pense que tu débutes à la guitare, c'est pas très grave. En tout cas voilà, ça prouve que si vous avez honte ou je sais pas, ben, vous pouvez jouer. Regardez, il a fait la vidéo. Franchement, je t'en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. On voit qu'il y a un sacré, il y a une sacrée technique en tout cas qui commence à se développer. On voit que tu commences à faire du tapping, que tu essayes de faire vraiment les bends, etc. Donc franchement, si tu travaillerais plus, je pense que tu peux arriver à de très très belles choses. En tout cas, tu as une sacrée Les Paul et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo parce que c'est pas évident d'essayer de faire un solo sur quelque chose qui n'est pas propre à vous en tout cas. Mais voilà, en tout cas, merci à toi encore une fois. Et on va passer à Troyes. Troyes qui est un YouTuber. Voilà, apparemment, je sais qu'il est dans ma région. Alors, j'ai pas contact avec lui. Mais je me suis un tout petit peu spoil la vidéo qu'il avait sortie sur sa chaîne YouTube. Donc du coup je vous la propose parce qu'il m'a envoyé un solo en fait. Et j'ai carrément pris sa vidéo de chaîne YouTube parce que je l'ai trouvé plutôt drôle. Donc c'est parti, je vous la balance, let's go. Alors que Troy se promenait dans les méandres et les tréfonds de YouTube, ce YouTubeur de génie et guitariste a contesté tomba de nouveau sur vidéo. Hey, salut les guitaristes, c'est Alain. Et aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Qui ça? Moi? Oui, de toi. Moi? Oui, de toi. Tu vas arrêter, putain. Ok, c'est bon. J'avais fait une chanson qui s'appelait Chaos. Il y a une petite partie que j'avais jouée simplement en rythmique et que je n'avais pas fait de solo par-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas vous? Moi? Aussi, vous pourriez faire un solo sur cette petite partie. N'oublie pas d'utiliser les techniques secrètes de pentatonique durement apprises et acquises à la sueur de tes doigts, jeune Troyes. Ça va vraiment pas mal, excellent. Je n'ai pas le choix, je vais devoir utiliser la technique. Ok. Ah franchement excellent, là j'ai énormément kiffé. Mec, t'es un bon pour le montage hein. Franchement, t'es... Putain, le temps que t'as dû passer pour faire ça, regardez, mais c'est dingue ce que vous avez fait quand même pour moi. Que ce soit Troyes ou tous les autres participants, c'est quand même fou le temps quand même que vous avez pris et tout. Franchement, c'est... Je sais, je me répète, hein, mais franchement, super. Je tiens tous à vous remercier un par un. Je vais en refaire un, je vais refaire une de ces vidéos. Ça m'a énormément plu. Ça m'a touché aussi de voir que... Bah,
que je pouvais juste avec une simple vidéo impacter des gens, et ça c'est super sympa. C'est peut-être un petit peu le principe de YouTube aussi, mais je sais pas, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est sur une prod personnelle que j'avais fait ça. Et franchement, de voir que vous-même vous faites vos propres solos inventés, que vous avez pris le temps de le faire, franchement ça m'a fait énormément kiffer. N'oubliez pas que pour les simples viewers qui regardent cette vidéo, il y a tout simplement dans la description, je vais mettre les chaînes YouTube de chacun, donc n'hésitez pas à aller les voir, que ce soit Troyes, que ce soit Easy Guitar Now, Cédric Fournier, etc. On a vraiment des gens très très intéressants, c'est vraiment excellent. Donc merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous les participants. Nous on se dit à très très vite, je vous dis à bientôt, ciao.